Bonjour, donc je m'appelle Julien Lescarré, j'ai 33 ans, je suis bordelais et je suis ce qu'on appelle un torero, matador de taureau précisément, puisque j'ai le statut de torero confirmé. J'ai exercé dans de nombreuses arènes, notamment en France, dans toutes les grandes arènes, Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne et un petit peu en étranger également, en Espagne ou au Mexique. Voilà, et là j'ai mis un terme à ma carrière en septembre 2012 et maintenant je suis en reconversion professionnelle et commerçant à Bayonne. Je suis installé à Bayonne depuis une dizaine d'années désormais avec ma famille. J'ai eu un petit garçon qui lui-même est bayonnais. Je suis d'origine bordelaise, j'ai vécu dans les Landes, je me sens aquitain. Et j'ai terminé à Bayonne pour des raisons professionnelles avant tout. Et puis parce que c'est un pays qui est attractif, en tout cas qui nous plaisait beaucoup pour nous installer ici. Et je crois que c'est une belle culture, on l'a adoptée, on aime la partager. Il y a une vraie sensibilité taurine ici à Bayonne, donc pour moi c'était l'idéal. On se trouve ici dans les arènes de Bayonne, un cadre où j'ai l'habitude de venir et de m'entraîner, qui est ouvert au public, c'est une ville très ouverte et qui est très fière de cette culture taurine. C'était pour moi l'avantage aussi d'être au cœur de cette culture et à proximité de l'Espagne. Si je dois parler de sport et d'émotion à la fois, je pense notamment au surf. J'ai eu la chance de découvrir le surf en arrivant ici dans la région. Et en tant que torero, je me trouvais souvent dans des situations limites et dangereuses face à un animal. Et ces sensations, j'ai retrouvé dans l'eau également, quand j'étais sous l'eau, avec la vague qui vous secoue un petit peu dans tous les sens. Il faut gagner en sérénité, gagner dans cette confiance. Et puis le surf, ça vous permet de vous libérer. Voilà, il y a de vraies émotions quand on est avec les éléments, avec la nature, qu'on a la vue sur la montagne du Pays Basque. C'est vraiment un privilège et pour moi, c'est ce que je retiendrai des émotions sportives. Concernant la gastronomie, inévitablement, je vais parler du jambon. Alors certes, le jambon de Bayonne, parce qu'il y a une vraie culture très forte ici, mais aussi du jambon espagnol, puisque j'ai eu la chance de voyager beaucoup en Espagne, découvrir ces produits et avoir aussi l'opportunité d'ouvrir un négoce, de les montrer ici, ces produits, de les donner à déguster aux Bayonnais qui là aussi ont la possibilité de diversifier leur plaisir. Et donc cette charcuterie que j'ai ouverte il y a un an et demi maintenant à Bayonne me rend très heureux et je trouve que ce jambon espagnol apporte aussi des saveurs vraiment uniques, vraiment authentiques. Et puis pour être dans le milieu taurin, on a eu souvent l'habitude en tant que torero d'aller dans les élevages, de découvrir et les taureaux d'un côté et les cochons ensemble. Pour moi c'est une vie associée et c'est peut-être logique que finalement je passe de l'arène avec les taureaux à la charcuterie avec les cochons. J'aimerais partager une émotion culturelle avec vous particulière, celle de la tauromachie, pour l'avoir vécue pendant 20 ans. Ici très présente à Bayonne, dans le grand sud-ouest évidemment, mais c'est une culture qui est attractive, qui est mystérieuse, qui est difficile d'accès. C'est vrai que c'est un milieu qu'on connaît peu ou qui a besoin de se démocratiser, de se montrer, de s'ouvrir aux autres. Et puis c'est un milieu qui est très fascinant parce que cette culture est forte d'une grande histoire, d'une grande tradition, pas seulement en Espagne, mais ici aussi en France. Et de plus en plus, les gens se tournent vers ce que nous sommes, vers cette culture que l'on porte, et on essaie de la communiquer au mieux. Alors, c'est pas toujours évident. On a la chance d'avoir de belles arènes. On a la chance ici, au Pays Basque et à Bayonne, d'avoir des toreros, de pouvoir partager ça au quotidien, l'hiver, l'été aussi avec les férias, parce que c'est une ambiance magique quand on va aux arènes. On a plaisir à être ensemble et à partager ses passions. Et un côté comme ça qui est encore unique en tauromachie, c'est le mystère, c'est ce côté décalé complètement et puis la découverte, réellement connaître ce milieu-là. Voilà, pour moi, c'est la culture du Pays Basque aussi, la tauromachie. Pour moi, devenir partenaire de l'Agence du Cercle, c'est naturel. Ça me semble important d'abord vis-à-vis de la tauromachie, personnellement, parce qu'elle a besoin de s'ouvrir, elle a besoin d'être découverte, elle a besoin d'être partagée, et puis aussi pour l'image et ce qu'est le cercle. Ce sont des jeunes qui sont à la base de cela, et je trouve que justement dynamiser ce genre de concept, ce genre d'événement, avec des idées nouvelles, avec des envies d'enrichir un petit peu notre terroir, notre patrimoine, je crois qu'il y avait vraiment quelque chose de sincère et beaucoup de cœur. Voilà, je suis quelqu'un qui réagit au cœur, qui réagit aux sensations, et je crois qu'il y a un beau projet derrière tout ça. Si je peux y contribuer, apporter mon expérience, mon vécu, et le faire partager, que ce soit d'abord parce que c'est essentiel pour ma tauromachie et pour ma culture, mais aussi parce que je trouve que le projet est sain, je le ferai avec grand plaisir. Si je dois choisir un mot ou plusieurs, le premier sans doute serait le lien ou les liens, parce que je crois qu'à Bayonne et au Pays Basque en particulier, les initiatives naissent de ces liens qui se créent entre les uns et les autres. Il y a vraiment un côté humain très présent dans chaque aventure, dans chaque projet, et j'ai la sensation de les retrouver ici dans le cercle. Et puis sans doute les émotions pour les avoir vécues longuement dans les arènes, dans un cercle très fermé, c'est ce qui m'a donné ce sens à la vie, ce qui a été mon moteur dans la vie. Et si je peux le retrouver à travers le cercle et faire partager de nouvelles émotions à d'autres, surtout à des néophytes, j'en serais que ravi. We'll be right back.
rejoignez-nous dans le cercle.